Allô? Allô, allô? Ah, c'est pas vrai, mais il est sourd ou quoi? Allô, j'ai dit! Ah, quand même! Je vais finir par croire que tu deviens sourd! Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai une mission pour toi. Tu vas te rendre, disons, à un parcours de santé. En plus, ça se voit, t'en as vraiment besoin. Ce parcours de santé traverse l'ensemble d'une forêt. Une petite forêt, une clairière, un bois, enfin... C'est comme tu l'entends. Mes données ont relevé qu'il y a une cache à l'entrée de cette forêt. Là où débute le parcours sportif. Alors je veux que tu t'y rendes et que tu me cherches cette cache. Je n'ai rien d'autre à dire pour le moment. Et habille-toi, il fait froid. Déconnexion. Ok. Alors dans ce cas, je vais m'habiller un peu plus chaudement et puis on va y aller. Donc bienvenue dans ce 33e épisode, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Aujourd'hui donc on part pour une cache, comme on a entendu, sur un parcours sportif. Par contre, juste un petit truc. Non, rien. Première épreuve, le toucher... toucher le sol des deux mains. Essayez de toucher le sol. Ah, mais ça je peux pas faire. Ah non, mais moi si je fais ça, moi j'ai les jambes qui pètent. Hein. Deuxième épreuve, le ressort sur jambe. 5 étirements sur la jambe droite et sur la gauche. Bon, ça va, je peux faire. Ça chauffe ici. Troisième épreuve, le lever de jambes. Marcher en montant les genoux à chaque pas sur 25 mètres. Ah, c'est con, j'ai pas de mètre sur moi. Quatrième épreuve, la poutre d'étirement. Posez le pied sur la poutre et essayez de toucher le bout du pied, jambes tendues et sans à-coups. Ah, ça c'est con, j'ai une chaussure au bout du pied. Ah, ça va pas être possible. Ah, c'est cool parce que tout le long du chemin, tu as des petits exercices, des petits ateliers, on va dire séparés l'un de l'autre de 20 mètres. C'est assez sympa. Ok, bon bah c'est bon, je suis chauffé. Maintenant, on peut peut-être essayer de chercher ce qu'on cherche. Il y a plein d'arbres comme ça, ils sont assez rigolos, je trouve. Ouais. Ok. Voilà, j'ai pris un peu de hauteur. Je suis sur un chemin un petit peu surélevé. Comme ça, je vois ce qu'il y a des deux côtés. Et le premier truc suspect, je saute dessus. Par contre, il y a plein de trucs de terre, là, de taupes. Faut croire qu'elles aiment faire le sport aussi. Alors, on a un log qui disait comme quoi il y avait le camouflage qui était pas très... pas très efficace. La cache est trop voyante. J'espère qu'on va pas tomber dessus par pur hasard quand même. Non, parce que ce serait un peu dommage. J'aime bien quand il y a un peu de difficulté. Pas trop, juste un peu. Prochaine épreuve, le saut de haie. Franchir les haies en courant. Alors, si je cours, je me casse la gueule à la deuxième. Hein. Parce qu'avec l'élan que je vais avoir... Je vais me vautrer sur celle du milieu. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs du futur par là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... On dirait que t'as les trucs... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est un truc qui bouge comme ça, voilà. Ça, c'est des trucs qui tournent aussi. Voilà. Super. Oh, attends, c'est peut-être pour faire ça, tu sais. Histoire de te casser les jambes. Ça, c'est quoi maintenant? Oh. Ah, attends, voir. Attends, j'ai compris. Regarde, tu fais ça. Oh, putain. Là. Oh, c'est petit, hein.
Et voilà. Voilà, là c'est tranquille, t'es à l'aise. Ah, c'est l'éclate, hein. Heureusement, je suis seul là maintenant parce que sinon j'ai l'air d'un con. Hein. Regarde, ici ils te disent c'est une question, c'est une épreuve de force. Et là, ça entraîne 7 parties du corps. Ah, c'est les muscles fessiers, ça. En partie. Les adducteurs et tout. Ok. Ok, le dernier truc du futur, ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est pour travailler. Ah oui, là tu as les jambes, ici t'as quoi? Ça c'est quoi? Ah bah attends, on va voir les dessins. Alors c'est un truc de sport. Le mec se fout assis et la nana est assise en l'air et puis elle regarde les arbres pousser. Alors, s'asseoir dos à la grille et remonter la barre avec les jambes, ça ok? Oui, mais qu'est-ce qu'a fait la nana, je voudrais savoir. Attends voir, parce que là t'as pas deux trucs, t'en as trois. On dirait les trucs que t'as chez le dentiste, tu sais. Ah oui, d'accord. Attends, c'est quoi, je me mets comme ça, c'est ça? C'est normal. Et je fais quoi, je fais ça? Non. Ok, bon, ça tout le monde connaît, ça je peux faire. Et ici, normalement, c'est le siège où la nana regarde les arbres pousser. Problème, il n'y a plus de siège. Bah, on va faire semblant. Je fais comme ça. Voilà, je suis assis. Mais bon, on va redevenir un tantinet sérieux et on va essayer de trouver cette cache maintenant. Parce que je commence à me transformer en glaçon là, petit à petit. Ok, alors, reprise des ateliers. Il y a des arbres. Je pense pas que la cache soit magnétique. Elle devrait être près d'un arbre, je dirais. Il y a beaucoup d'arbres qui sont comment dire, pas droits. Là t'as même du pain, voilà, allez-y, si vous voulez un sandwich c'est le moment. Mais je sais pas, les arbres comme ça m'intrigue parce que ils sont tous tordus. La moitié des arbres ici sont tordus. Donc c'est un bon endroit pour planquer une boîte, tu vois. Il suffit juste d'ouvrir l'œil. Bon, bah, il me reste plus qu'une chance. C'est d'essayer par ici. Le problème, c'est que le plan indiquait bien, il indiquait là. Hein. Là, il y a un chemin. Là, il y a le second. Et c'est indiqué entre les deux. Bon bah ça fait un bon moment que je suis ici, j'ai rien trouvé. Je crois que je vais demander une maintenance. Bah j'ai rien trouvé et puis le log précédent non plus. C'est un petit peu inquiétant. Je crois que je vais demander une maintenance parce que dans ce genre d'endroit, t'as souvent des... C'est... Il y a de fortes chances que les caches disparaissent. Ouais, je dis pas ça pour me rassurer, mais c'est vrai quoi. Parce qu'entre les gamins qui courent partout, tu sais, ça fait. Un gamin, c'est un peu comme un chien, tu vois, ça renifle un peu partout et ça te dégote des trucs et après ça te les dépasse. Ouais, donc je vais quand même demander la maintenance. On verra ça dans la suite de l'enquête et si la maintenance
n'est pas contestée, c'est-à-dire que j'aurai raison, et ben je ne qualifierai pas cette enquête comme un TNF. On verra ça à la suite de l'enquête, et puis je vous dis à tous à la prochaine, et puis on verra la solution. Voilà, je suis un petit peu pantois, mais bon... Ah, c'est un bon spot ici, c'est un bon spot.